Nous voici en Savoie, entre les stations de Doucy et Valmorel, pour la 6e édition de Doucissime. Doucissime, c'est un événement unique, le dernier week-end de janvier, qui rassemble des randonneurs, qu'ils soient à ski ou en raquette, et des compétiteurs de ski alpinisme. Tout le monde se retrouve sur un même parcours, spécialement tracé, balisé et sécurisé pour l'occasion. Bien sûr, chacun réalise une dénivelée adaptée à son propre niveau. Entre 400 et 1200 mètres pour les pratiquants loisirs et jusque 1800 mètres pour les compétiteurs. Mais ce qui compte, c'est que chacun parcourt la partie la plus belle et la plus alpine de l'itinéraire. C'est ainsi l'occasion de gravir de magnifiques arêtes, de remonter des couloirs impressionnants, de descendre de superbes champs de neige et surtout de se retrouver tous ensemble pour un repas convivial après l'effort. Côté course, Doucissime accueillait la 3e étape de la Coupe de France 2014. Un parcours individuel, bien dans l'esprit du circuit, alliant technicité, rythme, paysage de montagne et belle neige. C'est bon. C'est bon. Florent Perrier, multiple champion du monde de ski alpinisme, prenait les commandes de la course dès la première montée. Johan Serre, vainqueur de la Coupe de France en 2013, parvenait à garder le contact en début de course. Mais il devait finalement céder au rythme imposé par l'Arrechois. Florent n'avait alors plus qu'à assurer son avance confortable jusque sur la ligne d'arrivée. Émilien Bocher prenait la 3e place du podium, tandis que chez les dames, c'est la Canadienne Mélanie Bernier qui s'imposait devant Blandine Ducré et Marion Mathieu. Chez les jeunes, victoire de William Pernier et Candice Bonnel en junior. Cette année, au soleil du samedi ont succédé des chutes de neige et une visibilité faible le dimanche. Cela nous a laissé tout le temps nécessaire au second objectif de Doucissime, la formation. DVA, lecture de terrain, distance de sécurité étaient par exemple abordées avec des guides et des initiateurs de la FFME. Alors, que vous soyez randonneur ou compétiteur, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour un parcours toujours magnifique au pied du Cheval Noir. Allez, merci. Courage. 10 mètres de dénivelé. Super. Bien passé ? Bien ! C'est vrai ? Une belle course ! Très belle, belle course. Course ! C'est vrai ? Super ! Qu'est-ce qui vous a plu sur la course ? Tout ! Non, le grand coup d'horreur ! Ouais, ouais, c'était un peu dur. Un peu dur ? C'est la première. Ah, génial ! Mais j'ai fini, c'est le principal. Ah, le tracé, c'était super. Et puis les gens tout le long du parcours, ils sont super sympas.